is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, on est mardi et je suis avec mes chats sur le canapé. Il est actuellement 8h moins 20. Le chéri est à la douche, donc je profite de 5 minutes pour commencer ce nouveau carnet de bord. Au niveau des lectures, j'ai terminé hier Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier que j'ai adoré. Et j'ai aussi terminé Isabella Bird qui est un manga. J'ai lu le tome 1 qui retrace la vie de l'aventurière exploratrice Isabella Bird au Japon. Et du coup c'est vraiment très très drôle et très bien. J'aime énormément ce manga, donc peut-être que j'en reparlerai rapidement ici puisque je compte bien lire le tome 2 d'ici peu. Sinon j'ai commencé tout à l'heure et déjà bien entamé un nouveau roman qui s'appelle Les Noctures, le tome 1 L'éveil de Anthony Lucchini, c'est aux éditions Beta Publisher et c'est du fantastique. Alors, normalement c'est pas trop mon style de lecture, mais là je vous avoue que l'écriture est hyper addictive. Je l'ai commencé tout à l'heure et j'ai déjà lu 110 pages sur 350. Donc franchement je suis bien bien prise dedans. On va suivre Rémi qui est un adolescent et qui est au collège je crois ou au lycée. Enfin il est relativement jeune donc je pense que c'est plutôt le collège. Il a une bande d'amis, donc deux filles et un garçon, ils sont quatre. Et en fait ils vont suivre Rémi dans une aventure un peu extraordinaire puisque Rémi fait des rêves. Il fait des rêves rocambolesques et complètement farfelus. Et ça le perturbe. Du coup son ami lui conseille de noter ses rêves dans un carnet. Il va se rendre dans une librairie un peu mystique et le libraire va lui conseiller un carnet un peu spécial. Il va y noter tous ses rêves et puis une fois que la dernière page du livre du carnet remplit, eh bien il va traverser une espèce de porte spatio-temporelle et qui va l'amener au cœur même de ses rêves. Et voilà, l'aventure commence. Je vous spoil rien parce que tout ça c'est dans les 40 premières pages, hein, donc c'est super rapide au niveau de l'action. C'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve que on n'a pas trop le temps de se faire à l'univers, qu'on est déjà complètement dans l'action. Mais c'est une écriture super addictive, donc ouais, franchement je pense que j'adhère bien. En tout cas voilà, ça parle de lui-même. J'ai lu ça en une heure et demie, non même pas. Ouais, une heure et demie je pense. Alors, je sais pas exactement, mais en tout cas j'adore, donc c'est hyper cool. Je vous en reparlerai très vite puisque de toute façon demain je dois commencer une autre lecture qui est l'affaire Protero d'Agatha Christie, donc je vous en reparlerai aussi. C'est une petite lecture de 200 pages. Voilà, j'aimerais bien chevaucher les deux lectures pour les terminer d'ici mercredi, les deux, ce serait cool. Ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps et de mes horaires. Voilà. Sinon, et ben, on entend les orages dehors, donc je pense qu'il va pleuvoir en fin de journée. Moi, je suis un petit peu cernée et pas maquillée comme d'habitude. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire à dîner et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi et je reprends ma lecture des Nocturnes, le tome 1. J'en suis à la moitié, hier j'ai lu 165 pages. Donc j'espère pouvoir le terminer ce soir parce que j'aimerais bien commencer du coup le Agatha Christie qui est là-bas, l'affaire Protero, et pas prendre trop de retard parce qu'après je voudrais encore lire une autre lecture avant de finir la semaine, donc ça commence à faire tard, à faire loin. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer un max aujourd'hui. Et sinon, je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. C'est pas plus mal parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Donc,
Donc voilà, il faudrait aussi que je fasse un petit tri, il faudrait que j'aille donner des livres en boîte à livres. Enfin, je pense que là, je commence à être un peu submergée niveau pâle, donc il faudrait que je fasse un tri. Bref, je vous laisse, je vais lire Les Nocturnes. C'est très sympa, je vous donnerai mon avis un peu plus tard du coup, mais j'ai hâte de savoir la suite et surtout de le finir parce qu'il est vraiment cool et j'aime énormément les dessins sur la couve. Tous les détails en fait sont des symboles dans le livre qui ont un sens. Donc c'est très très bien fait. Je suis assez contente. Voilà. T'as quelque chose à ajouter? T'as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu fais que tu m'as volé mon plastique là? Bon allez, à plus. Of knowing I'm lost and looking for a soul, grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go, 'cause the thing we're searching for. Hello, aujourd'hui on est mercredi, il est midi et demi. J'ai reçu un paquet, mais je sais pas si je peux vous le montrer. Donc c'est un paquet, c'est un livre qui me vient de la part de chez Pocket Jeunesse et c'est un projet que j'ai avec eux pour tout début septembre. Donc je pense que je peux pas encore vous en parler, mais je suis très contente et voilà, je reviendrai vous en parler quand j'aurai le droit d'en dire un peu plus. Et sinon, je n'ai pas encore fini ma lecture d'Anthony Lucchini, qu'on s'appelle L'éveil, je crois. Voilà, Les Nocturnes, le tome 1, L'éveil, parce que hier, mon père m'a appelé à 9h et il ne m'a pas lâché avant 22h. Du coup, après, j'étais vraiment fatiguée et bref, voilà, c'est pas grave du tout, mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Au final, il me reste pas grand chose, il me reste je crois 80 pages. Donc je vais essayer de l'aller finir maintenant entre midi et deux. Parce que j'ai vraiment envie de commencer Agatha Christie. Et surtout, c'est que tout le monde a commencé le Zola. Et moi, je suis à la bourre, comme d'hab. Voilà, donc je suis à la bourre sur mon planning de lecture. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Là, il fait un temps bizarre. Il y a un orage, puis le soleil, puis un orage, puis le soleil. Donc ouais, super bizarre. Je dois aller à la poste déposer vos commandes parce que... Hier, j'ai préparé les commandes, mais j'étais en réunion jusqu'à 17h30 et j'allais partir à la poste, sauf que la poste ferme à 17h. Donc, comment vous dire que j'étais complètement out et que j'avais pas du tout bien géré mon organisation. Donc là, je vais y aller en début d'après-midi, au moins je suis sûre, et je finirai tout ce que j'ai à finir plus tard dans la journée, quitte à déborder sur ce soir, c'est pas grave. Mais au moins les commandes seront parties, parce que sinon ça va traîner. Et en plus, j'ai tout dessus, hein, les bons de transport, tout est bien organisé. J'ai plus qu'à aller à la poste, donc je vais y aller là, après manger, rapidement. Voilà, je reviendrai vous parler plus tard. De nouveau, on est toujours mercredi. Du coup, je viens vous parler parce que aujourd'hui, j'ai terminé deux lectures. Là, il est actuellement 19h01. J'ai terminé deux lectures parce que j'ai fini mon livre audio de Marie-Antoinette. Donc, Marie-Antoinette, pardon, la biographie de Stefan Zweig. Je l'ai terminé aujourd'hui parce que j'étais un petit peu sur la route pour aller à mon siège social, à la poste et tout. Et il me restait qu'une demi-heure, en fait. Une demi-heure, en fait, de lecture. Donc c'est passé assez vite, je suis ravie de l'avoir terminé. J'ai vraiment beaucoup adoré cette biographie par son style, par sa fluidité, par les échanges qu'a pu faire Zweig dans le récit, parce qu'il alterne entre des lettres, des interventions de certains personnages, des descriptions, la description morale aussi et psychologique. J'ai beaucoup aimé voilà comment il va décortiquer un petit peu la psychologie de chaque personne qui a pu intervenir dans la vie de Marie-Antoinette. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'ai trouvé quand même certains passages redondants, un peu répétitifs.
on revient un petit peu souvent sur les mêmes sujets. Mais voilà, mais c'est tellement bien écrit que ça passe et que c'était vraiment super. Je suis pas mécontente de l'avoir lu à moitié en audio, à moitié en papier finalement. Parce que une biographie, c'est quand même assez lourd en tant que lecture. C'est dense, c'est pas facile. Et vraiment, c'était là, ça s'est passé super super bien. Il fait à peu près 500 pages, donc voilà, je pense que si ce genre de lecture vous décourage, n'hésitez pas à passer sur d'autres supports ou alterner. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis ravie. En tout cas, voilà, c'est une lecture de Zweig en plus que je termine, donc qui vient s'ajouter à ma bibliothèque, donc je suis trop trop contente. Voilà, donc première lecture terminée, validée, aimée, adorée, tout ce qu'on veut. Mon prochain Zweig, ça sera normalement Marie Stuart, mais je vais attendre un petit peu parce que biographie, voilà, ou La Confusion des Sentiments, que j'ai très envie de lire. Florence l'a lu il n'y a pas longtemps, elle m'a donné très envie et je l'ai, donc potentiellement c'est un petit livre que je pourrais lire rapidement. Donc on verra bien, mais en tout cas mon histoire avec Zweig ne s'arrêtera pas là, c'est sûr. Donc première lecture terminée, la deuxième c'est Les Nocturnes, l'éveil de Anthony Lucchini aux éditions Beta Publisher. J'ai même mis des petites notes. C'est un livre fantastique. J'y dis toujours entre fantasy et fantastique. Ça parle de rêves. On va suivre Rémi qui est un adolescent qui fait des rêves, voilà, qui l'explique pas toujours, et du coup il va se rendre dans une petite librairie un peu bizarre, un peu cocasse. Il va acheter un carnet un peu magique quand même, pour y noter ses rêves. Une fois que le carnet est terminé, il a écrit jusqu'à la dernière page, il va le glisser sous son oreiller à chaque fois parce qu'il a très peur que ses parents le découvrent et autres. On a ici un adolescent qui doit avoir, je pense, 14-15 ans, mais c'est pas très clair. Et le truc, c'est que ben Rémi va, d'une manière un petit peu magique, tomber dans le monde des rêves. Dans son propre monde. Et alors là, il va s'étendre à un monde, un monde, j'ai envie de dire un, mais il y a plein de mondes en fait. En fait, on se retrouve dans un lieu où il y a un arbre un peu magique, un phare, enfin voilà, tous les symboles en fait que vous voyez sur le livre. Un phare, un attrape-rêve et autres, et etc. qui vont guider Rémi à travers différents rêves. En fait, il y a une espèce d'arbre où il peut prendre des sphères et chaque sphère représente un rêve, etc. Et il va les visiter, il va visiter ses rêves qui s'accomplissent au fil du temps et dont il n'est pas vraiment maître, en fait, maître jusqu'au bout. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, l'auteur va nous emmener à travers les pages dans plein de mondes différents, des mondes de feu, des mondes de glace, des mondes d'eau, des mondes avec des animaux, des mondes avec des espèces de pouvoirs maléfiques. Bien sûr, il y a une double temporalité où en fait Rémi va se trouver face à un ennemi et on sent qu'en fait ça c'est le dénouement de l'histoire. Il va se trouver devant quelqu'un, bon, je pense que, enfin, je sais pas si je spoil ou pas, donc je vais m'arrêter là, mais il se trouve devant un ennemi et c'est l'affrontement final. Et en fait, cet affrontement final, il va venir dans le récit. Un avion. Et donc, cet affrontement final va venir ponctuer le récit tous les 3-4 chapitres à peu près. Mais vraiment, ça tient le lecteur en haleine parce qu'on a envie de savoir le dénouement de cette partie-là. Et en fil des pages, en fait, on comprend le monde, on comprend le méchant, enfin le ou les, parce que finalement on se rend compte à la fin qu'il y a un petit cliffhanger, et tous ces mondes et voilà, enfin c'était vraiment super addictif, super prenant. Moi qui suis pas très fantastique, c'était vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé retourner à ma lecture. J'avançais vite, les chapitres étaient relativement courts, beaucoup de dialogues, c'est très dynamique. Pourtant, je trouve ça assez fascinant de nous décrire une dizaine de mondes avec des noms spécifiques, avec des particularités, avec des codes, avec des lois en 400 pages. Et il n'y a pas qu'un seul monde, c'est vraiment plein de mondes, un peu comme des arches. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce livre. Après, c'est vrai qu'il faut rester concentré parce qu'il y a énormément d'informations, tout est condensé. Donc, il y avait beaucoup d'infos. C'était dense, mais si vous êtes vraiment concentré, si vous êtes pris dans l'histoire, vous arrivez facilement à suivre. Le dénouement est positif, mais quand même, on a un retournement de situation qui nous donne envie de lire la suite, parce que c'est une saga. Là, c'était le tome 1.
Et on a envie de retrouver Rémi, mais surtout toute sa bande en fait. À la fois ses amis, parce que bien sûr il embarque ses amis. Donc ils sont quatre en tout, hein, c'est quatre jeunes. Il embarque ses amis dans son aventure, dans ses rêves, hein, il les embarque avec lui. Et en même temps, on arrive quand même à s'attacher aux personnages des rêves qui sont complètement fictifs finalement, mais qui ont une saveur très réelle dans le livre. Donc voilà, c'était une bonne lecture, franchement, très surprenante. Et je pense que ce livre, il mérite d'être un peu plus mis sur le devant de la scène. Moi qui suis pas fantastique, franchement, je me suis laissée bercer par cette histoire. Et potentiellement, je lirai la suite avec plaisir. Vraiment, c'est très sympa. Puis alors cette couve, je trouve ce dessin superbe. On dirait presque un dessin d'un tatouage. Ça pourrait être super, super élégant. Et effectivement, je sais pas si on voit très bien, mais il y a de l'eau, il y a de la glace, il y a des flocons, il y a du feu, il y a des étoiles, des brumes. Tout ça, ça a un lien avec les différents mondes et les différents rêves de Rémi. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu ce livre-là. Sinon, pour ma prochaine lecture, c'est Agatha Christie, donc l'affaire Protero, qui est le tout premier Miss Marple, que je lis avec Patricia. Je sais plus son prénom, mais je lis avec une personne sur Insta, du coup je suis trop contente. Je vais le commencer ce soir en espérant le finir demain. Alors il est pas très long, il fait 210 pages, mais bon, avec Agatha Christie c'est beaucoup plus condensé, c'est beaucoup plus lourd à lire, il faut être concentré, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'infos, donc je le lis pas aussi vite que par exemple du fantastique où il y a beaucoup de dialogues. Mais bon, voilà, potentiellement ça peut le faire aussi. Et sinon pour ce week-end, je me réserve Le Zola, au bonheur des dames, voilà, que j'ai hâte de découvrir. Ce sera mon tout premier Zola, enfin tout premier et demi, parce que j'avais lu au collège Germinal, mais j'en ai aucun souvenir. J'ai plutôt un souvenir négatif de cette lecture et je ne me rappelle absolument pas de l'histoire. Donc j'ai dû le lire vite fait, bien fait, ou pas vraiment concentré, j'en sais rien, mais... Mais voilà, donc du coup ce sera mon premier vrai Zola en tant qu'adulte. voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je pense qu'effectivement il y a des livres qu'on nous fait lire quand on est jeune qui ne correspondent pas à notre écoute. À notre écoute de lecteur, à notre concentration, à notre... comment dire... À notre analyse. Notre analyse de lecteur adulte, je pense. Bref, j'arrête là pour le moment. Je vais aller me doucher. Je vais ensuite préparer à dîner. Et ce soir, je me retrouve avec Agatha et Miss Marple. Every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes. Et bonjour monsieur. That you still have more to go. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, on est vendredi matin. Là, il est 7h passé. Je vais prendre mon petit-déj dehors. Il va faire encore une belle journée, bien chaude. Voilà, il faut que je vous parle de... Ah, l'envers du décor. Il faut que je vous parle de ma nouvelle lecture qui est l'affaire Protero d'Agatha Christie. J'ai dépassé la moitié. C'est le tout premier Miss Marple. Alors c'est trop drôle parce que quand je l'ai ouvert, donc je l'ai acheté d'occasion il y a un moment. Du coup il y avait des petites notes, je trouve ça trop mignon. C'est sûrement quelqu'un qui a dû l'acheter pour l'école. Donc du coup voilà, c'est le premier roman mettant en scène Miss Marple, effectivement. Et il a été écrit en 1930, publié en 1932. C'est donc l'affaire Protero, puisqu'en fait le monsieur Protero va être trouvé mort dans un presbytère, dans un tout petit village, donc Sainte-Marie-de-Metz, dont Miss Marple est une des habitantes. Et bien sûr il va y avoir une enquête sur ce meurtre dans un presbytère, c'est un peu original. Voilà, et en fait on suit le narrateur est le pasteur en fait, hein, du presbytère, et il va mener l'enquête avec la police, et c'est plutôt sympa. Je vous en reparlerai un peu mieux plus tard. Là je vais prendre mon petit thé et me faire un petit déj. Hello, on est vendredi, il est presque 18h, je m'arrête là, je finis ma journée. Je viens de me faire un thé au jasmin.
Mais il est encore un peu chaud là, je crois, donc je vais attendre un petit peu. Je vais vous parler de ma nouvelle lecture qui est l'affaire Protero de Agatha Christie. Je vous ai juste vite fait parler ce matin. Donc en fait, dans cette histoire... La moto est passée. Dans cette histoire, en fait, il y a un meurtre. Enfin, un meurtre. Oui, il y a un meurtre. On retrouve le colonel Protero assassiné dans le bureau du pasteur. Oui. Dans le presbytère de Sainte-Marie-Metz, qui est la ville où Miss Marple habite. Et on le retrouve assassiné, il est affalé sur le bureau avec, on lui a tiré derrière la tête, donc voilà, c'est pas être un suicide. Il était en train d'écrire une lettre, il y a des indices temporels qui expliquent son assassinat, et voilà, et il y a pas mal d'indices pour éclairer le lecteur. Et finalement, moi je trouve que c'est super super bien écrit. C'est le pasteur qui guide en fait un petit peu le livre, puisqu'il commence à nous parler de l'histoire, enfin à nous parler de cette enquête. C'est lui qui introduit le sujet vraiment et qui va nous guider à travers ses souvenirs pour nous parler de l'affaire Protero. C'est super bien mené, je trouve que franchement il est trop bien ce Miss Marple, déjà parce que Miss Marple, elle est dès la première page, elle est là. Après, elle est pas hyper présente, mais comme dans tous les Miss Marple, elle est jamais vraiment beaucoup présente, elle est juste là pour faire des petites apparitions, pour mettre des petits indices dans l'oreille des lecteurs. Je trouve ça vraiment super, j'adore Miss Marple. Ici, elle est encore pas super bien comment dire, présentée, parce que en fait on la voit vraiment comme une petite vieille qui s'ennuie et qui espionne toute la ville à travers son jardin. Elle fait semblant de regarder les oiseaux, mais en fait elle observe ses voisins. Enfin, elle est un peu décrite comme ça, mais en vrai moi je l'adore Miss Marple, je sais pas pourquoi. Bref, donc du coup là j'ai dépassé la moitié, il me reste 80 pages, un peu moins. Donc je vais les terminer ce soir. J'ai vraiment envie de savoir qui est le meurtrier. Alors c'est un semi-huis clos. En fait c'est un huis clos, mais seulement dans le village. Et dedans il y a plusieurs cartes. C'est vachement bien parce que je trouve que c'est rare. Je crois que c'est le deuxième Agatha Christie ou le troisième que je lis avec une carte. Il n'y en a pas à chaque fois et c'est dommage. Mais j'arrive à la retrouver, je vous montre. Ah voilà. Par exemple, en fait c'est un huis clos dans ce village. Donc c'est pas vraiment un huis clos. Mais d'un autre côté, il n'y a pas 50 000 lieux quoi. Parce qu'en fait, ça se passe vraiment ici dans cette zone, entre le presbytère, le jardin et l'atelier. Enfin voilà, c'est. Mais je trouve ça super super cool. Moi j'ai une vieille édition là qui est un peu cabossée, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je trouve ça sympa d'avoir mis une petite carte à l'intérieur. Je crois qu'il y a un plan aussi au début du bureau. Un plan du bureau au début. Donc en plus, il y en a plusieurs. Ah ouais, voilà, hop. Un petit plan du bureau où. Le colonel Protero se fait assassiner. Voilà, donc je soupçonne absolument tout le monde, comme d'hab, je n'ai absolument pas la moindre idée de qui est le meurtrier. Enfin oui, là j'ai une idée, mais dans 5-10 pages je vais changer d'idée jusqu'à la fin, donc je serai sûre de rien jusqu'au dénouement. Et voilà, je suis contente de retrouver Miss Marple, donc je pense que ce sera une bonne lecture parce qu'il n'y a pas trop de personnages, et je trouve que c'est bien traduit ou bien mené parce que j'arrive bien à suivre le déroulé, même quand je fais une pause. Par exemple hier j'ai fait une pause et puis j'ai repris mon livre plus tard, et j'ai eu aucun mal à m'y retrouver, donc je vous donnerai mon avis un peu plus tard sur ce Agatha Christie. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je pense que mon avis là il était un peu décousu, mais je vous donnerai l'avis final quand je serai un peu plus reposée ce week-end. Là donc c'est vendredi soir, je vais terminer Agatha Christie, je devrais commencer Zola au bonheur des dames pour le week-end, mais j'ai pas envie de lire ça, j'ai envie de lire un cozy mystery, donc je pense que je vais faire faux bond à ma lecture commune pour lire un cozy mystery. J'ai envie de lire, Le détective du Yorkshire. Rien à voir avec Zola. Mais bon, voilà. Après, je fais des programmes de lecture et puis parfois je suis aussi mes envies. Donc voilà. Mais d'abord, je vais finir Agatha Christie, c'est sûr. Et ensuite, je verrai bien si j'ai vraiment envie de lire un cozy mystery ou si j'ai envie de me lancer dans le Zola. D'un côté, ça me dirait bien. Bon, je sais pas. Je vous dirai ça plus tard. Sinon rien de prévu pour moi ce soir en tout cas. Demain je devrais aller le matin au sport avec une amie. Et ensuite l'après-midi j'ai du boulot, donc je vais devoir être prise un petit peu l'après-midi.
Et voilà, sinon rien de prévu le soir ni le dimanche. Donc je devrais pouvoir avancer un petit peu mes lectures, ça c'est cool. Je n'ai absolument aucune réception cette semaine, c'est fou. Alors comme je ne reçois même pas de courrier, je pense que mon facteur est en congé. Parce que là j'ai vraiment rien du tout. Alors c'est pas grave, hein, attention, je reçois déjà assez de livres. Mais ça me fait bizarre de rien avoir pendant une semaine entière. J'ai même pas de courrier, j'ai même pas de pub ou de flyers ou je ne sais. C'est un petit peu surprenant. C'est quelqu'un qui pillerait ma bibliothèque. Non, je pense pas. Ma boîte aux lettres, mais non, je pense pas. Ici c'est assez tranquille, donc... Je pense pas que ça intéresserait grand monde, mais je pense simplement que soit ma factrice est en congé, soit j'ai vraiment rien reçu et puis c'est pas bien grave. Voilà, j'aimerais bien aussi passer chez un moment chez Mémé demain, mais selon mon programme de la journée, je sais pas trop quand. Peut-être qu'en fin d'après-midi, autour de 17-18h, je pourrais aller retrouver une copine pour boire un petit thé ou juste me balader dans la librairie, ça serait cool. Bref, je vous emmènerai avec moi. Je sais pas du tout si ce carnet de bord sera assez long, court ou autre. Je sais pas. Mais bon, vous verrez bien. Je vous dis à plus tard. Bon, est-ce que vous pensez que je garde encore un peu d'espoir? Ou vous pensez que cette botte est morte? Il me reste une branche en vie. Vous pensez que ça va, qu'elle va survivre? Genre de survivor, quoi. Je sais pas pourquoi, ça a pas pris. Pourtant, elles ont de l'eau, toutes les jardinières pareilles. Celles-là, elles ont eu du mal à prendre, mais elles sont parties. Mais alors celle-là, je sais pas ce qu'elle a eu. Donc c'est du romarin. Mais là, il y en a qu'une. Elle est toute seule, toute sa famille l'a plantée, quoi. Donc je garde espoir, je continue de lui donner de l'eau. On sait jamais, hein. Mais bon, c'est fou quand même, d'une boîte à l'autre, elle a pas pris du tout. Donc je vais aller arroser mes plantes. Qui c'est ? On est samedi matin et j'ai terminé l'affaire Protero. Donc je vais vous en parler un peu plus tard. Mais là je profite du calme et du soleil matinal. Donc je l'ai terminé ce matin. Il me restait 10 pages en fait. Je me suis endormie juste avant la fin. Et je ne savais pas qui était le meurtrier. Et je n'ai absolument rien vu venir. Mais je vous en reparlerai mieux un peu plus tard. Là il est 8h20. Donc je vais aller prendre mon petit déj et je vais commencer mon week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Vu qu'on est le 31 juillet, je voudrais finir le mois avec une petite lecture et surtout pas prendre de retard pour commencer ma prochaine lecture du mois d'août qui est un gros gros pavé. Donc je voudrais pas le prendre du retard. Donc j'ai fait une petite sélection de livres courts qui font entre 100 pages et 170 pages. Donc potentiellement je peux le lire aujourd'hui, éventuellement le finir demain, mais je vais abandonner l'idée de prendre le Zola qui fait 600 pages parce que je l'ai mis là, mais il est vraiment vraiment gros et ça m'embête, mais voilà, enfin je veux pas prendre de retard sur mes prochaines lectures, ce que j'ai fait tout le mois de juillet, j'ai tout lu en décalé et ça m'a vraiment frustrée. Je ressens pas le besoin de le lire tout de suite, donc franchement je vais le mettre de côté et je vais me concentrer sur des petites lectures. Donc je me suis pris une petite sélection, je vais prendre mon petit déj et je choisirai après. Donc j'ai choisi Montaigne de Zweig, il est tout petit. Il fait 100 pages, je crois, 130 pages. Mais comme j'ai déjà lu un Zweig ce mois-ci, bon, je sais pas, voilà. Après, j'ai choisi Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Monod. Donc ça, c'est un roman historique. Il fait 180 pages, mais c'est écrit hyper aéré, quoi, super facile à lire. Que j'ai bien envie de découvrir aussi. Le Léonore de Recondo, Pietra Vita, que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui fait pareil 170 pages, je crois. Hop.
170 pages, voilà, ça a l'air aussi un petit peu aéré, facile à lire. Et c'est aussi historique sur, comment il s'appelle, Michelangelo. Donc ça aussi, ça me dit bien. Ensuite, il y a celui-ci, Les heures silencieuses de Gaëlle Josse. Alors là, c'est un micro-livre parce qu'il fait même pas 100 pages, je crois. 87 pages. Et je l'avais fait dédicacer par l'autrice. Hop, le 17 avril. Donc, ouais, je le lirai bien aussi. Et je crois que c'est un petit peu historique. Et ça se passe en Hollande. Voilà, c'est un peu dans la trame de La jeune fille à la perle. Donc ça, ça me dit bien. Et sinon, celui-là, il paraît gros, mais il fait que 170 pages. C'est La savoureuse histoire des Sorrentinos de Virginia Higa. Chez Presse de la Cité qui vient de sortir. Et là, c'est une histoire un peu de famille. Alors attends, oh, il fait 180 pages, voilà. Pareil, c'est super aéré, donc potentiellement facile à lire. Et ça se passe en Argentine, c'est une famille italienne qui vient s'installer et qui vont ouvrir un café qui s'appellera la Trattoria Napolitana. Et on y servira des Sorrentinos, c'est ce qui va faire leur réputation. Donc c'est un peu une fresque familiale, humoristique, qui fait voyager. Donc je sais pas trop... Je sais pas trop dans quel état d'esprit je suis. Mais en tout cas, j'ai pas envie de lire le Zola. Et j'ai pas envie de prendre une lecture qui va me stresser. Parce que je sais que j'aurai pas le temps de la finir. Et j'ai pas envie de me stresser pour ça. Donc je vais, voilà, je vais prendre mon petit déj et je verrai après ce que j'ai envie de lire. Mais potentiellement un de ceux-là. Voilà. Mais j'ai envie de tous les lire. Sinon, je me prends le tout petit. Et je m'en prends les deux petits. Les heures silencieuses et le Montaigne. Oh, je sais pas. Mais Sorrentinos, ça me dit bien aussi. Et ceux-là, les historiques, ça me dit bien parce que... Bah, Pietravita, je viens juste de l'acheter et j'ai très envie de le lire. Et celui-là, ça fait un moment que j'en entends parler. Et Clara Dupont-Monod, on m'en a dit que du bien. Je sais pas. Bon, je vous dirai ça plus tard. Vous saurez dans très peu de temps. On est dimanche matin tôt et je viens de terminer Les heures silencieuses de Gaëlle Josse. C'était un super super histoire, un tout petit livre, un journal intime en fait de, comment elle s'appelle, de Magdalena. Oui, c'est pourquoi. De Magdalena von Bayeren, qui en fait, comme un journal, se confie pendant tout le mois de décembre. Et en fait, c'est la dame là qui est là de dos sur le tableau, qui est la femme d'un négociant en commerce de Delft, et qui raconte comme dans un journal son quotidien, ses peines, ses troubles, ses pensées. Et c'était vraiment bien construit, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, et c'est vraiment son premier roman, et je trouve qu'elle a, elle a une sacrée plume, elle a une sacrée douceur, beaucoup de poésie, donc je pense que je lirai avec plaisir d'autres de ses petits livres. Il est tout petit, il fait 80 pages, mais du coup je suis contente parce que il me restait 10 pages ce matin, donc je vais le compter dans le mois de juillet. Mais du coup, je termine le mois de juillet tranquillement et je vais commencer le mois d'août avec un pavé donc de Stephen King. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, franchement, si vous connaissez pas encore Gaëlle Josse, moi je l'ai rencontrée à une dédicace dans ma librairie à la Pléiade. Et je regrette pas du tout d'avoir choisi celui-ci. D'ailleurs, il était en rupture. Je l'avais réservé, heureusement, et je suis fan de ce tableau. J'aime beaucoup, en fait, le 17e siècle à Amsterdam, là, enfin, à Delft, etc. Donc toute la partie commerce... Et la société, c'est vraiment super intéressant. Et là, en fait, on décrit aussi le tableau, hein. Donc il y a aussi toute une partie sur la peinture. On va parler aussi de Vermeer et d'autres peintres que j'ai pas noté, dont j'ai pas noté les noms. Mais ouais, c'était très très sympa. Franchement, si vous croisez la route de ce livre, n'hésitez pas un instant. C'était très très bien. Bah du coup, en ce
dimanche, je commence cette nouvelle brique de King 22-11-63 que j'ai là en édition de chez Livre de Poche. C'est la toute nouvelle édition, elles sont assez élégantes. Donc ça parle de l'assassinat de Kennedy. Apparemment, Florence m'a dit que c'était pas trop gore, pas trop fantastique, donc ça pourrait me plaire potentiellement. Il fait 1050 pages, je crois. 1044 pages, je pense. C'est assez dense, hein, quand même. Mais le livre est tellement addictif selon les fans que ça se lit super vite et potentiellement c'est assez fluide dans le récit. Donc je le lirai peut-être plus vite que ce que j'ai lu, que le temps que j'ai mis pardon pour lire Les Piliers de la Terre, qui faisait aussi 1050 pages, mais j'avais mis 12 jours pour le lire. J'espère celui-ci le boucler en une semaine, max 10 jours. Mais bon, on verra bien. Voilà. Sinon, aujourd'hui, petit programme entre amis avec cette petite chose poilue que je garde potentiellement de temps en temps. Donc voilà, petit dimanche tranquille sous le soleil. Comme d'hab. Hello, aujourd'hui on est lundi et je vais venir conclure ce carnet de bord ici. Mais avant, je voudrais revenir sur mes dernières lectures parce que je vous en ai parlé super vite. J'ai pas vraiment pris le temps de vous donner mon avis, etc. Donc tout d'abord, j'avais terminé l'affaire Protero d'Agatha Christie dans ma collection donc de livres de poche, bien entendu. C'est le tout premier Miss Marple. Il est paru en France en 1932. Et donc dans cette histoire, on va suivre l'assassinat du colonel Protero qui va être retrouvé assassiné dans le presbytère. Et on va suivre en fait... non pas un inspecteur, mais en fait le pasteur qui va mener l'enquête avec la police. Et donc on est dans la ville de Sainte-Marie-Meads et c'est la ville où il y a Miss Marple bien sûr. Et Miss Marple a une place très importante dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, même si elle n'était pas toujours très bien perçue. Cette enquête était super bien ficelée, il n'y avait pas trop de mouvements, il n'y avait pas trop de personnages. On arrivait facilement à suivre au niveau des noms des personnages. Ils ont des noms assez distinctifs. Donc c'était facile pour s'en se retrouver. C'est pas parfois dans certains Agatha Christie, vous avez des noms comme Hawkins et Aikin. Enfin oui, c'est deux personnages différents, mais visuellement c'est difficile de les distinguer quand on lit les noms comme ça. Mais celui-ci, c'était vraiment super bien. C'est un de mes préférés de Miss Marple pour le moment. J'en ai pas lu énormément, mais franchement, il était trop trop chouette. Donc je vous le recommande vraiment bien. Si vous avez jamais lu d'Agatha Christie, notamment, vous pouvez très bien vous lancer sur celui-ci. Il est facile, il est bien mené. Et c'est la première enquête de Miss Marple. Donc potentiellement, vous découvrez en même temps que le lecteur, enfin vraiment tout l'univers de Sainte-Marie-Meads. Donc vraiment, je vous le recommande, celui-ci, il était trop chouette. Je pense que j'en avais déjà un peu parlé dans la semaine, donc voilà, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Et donc, hier, j'ai terminé Les Heures Silencieuses de Gaëlle Josse. Finalement, j'avais pris un tout petit, vous savez, quand j'hésitais, samedi, j'hésitais, je savais pas trop quoi lire et je voulais finir le mois avec une petite lecture pour la boucler. Donc j'ai vraiment lu une toute petite lecture, ça fait 80 pages. J'avais été à la dédicace de Gaëlle Josse quand j'avais été à la librairie La Pléiade. On me l'avait mis de côté parce que je l'avais acheté une semaine avant, je crois. Et ma tante l'avait fait dédicacer pour moi. Non, j'avais été sur place finalement, effectivement. J'avais pu la rencontrer, je crois que je l'ai même filmée dans un carnet de bord, donc c'est quand même pas très vieux. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc on va suivre le personnage de Magdalena, donc c'est la dame sur le tableau. Et comme un journal, elle va nous confier sa vie, elle va nous confier son histoire, ses peurs, ses peines, son mariage, ses enfants. En fait, c'est sur un mois, du mois de novembre au mois de décembre 1667. Pendant un mois, en fait, on va avoir chaque jour, elle va écrire par exemple le 19 de ce mois de novembre. Le 20 de ce mois de novembre, etc., etc. C'est ses pensées, ses souvenirs, et c'est super, super sympa. Franchement, en 80 pages, l'autrice, elle a réussi à nous embarquer en plein Delft, donc en Hollande. On a vraiment cette sensation d'être sur un port de commerce. Il y a beaucoup d'activités, ça grouille de monde, ça grouille de marins, il y a énormément de business, il y a toute cette effervescence. Et à côté de ça, il y a aussi
tout le poids des convenances de la société, des familles et autres. Et comme Magdalena, c'est une fille, elle n'a normalement pas vraiment accès à tout ce milieu du commerce. Mais comme c'est l'aînée d'une fratrie où il n'y a que des filles, du coup d'une sororité, je sais pas, je pense qu'on dit comme ça, qu'on dit que des sœurs. Et c'est l'aîné, et en fait son père étant un grand commerçant d'épices, d'étoffes, voilà, il fait venir, c'est un importateur, hein, il fait venir des choses d'Inde, de Chine, elle va être un petit peu le garçon qu'il n'a pas eu, et il va l'emmener avec lui dans ses business. Et voilà, on va comprendre pourquoi elle va faire sa place dans ce milieu-là, qui va devenir son mari, et etc., etc. Et tout ça en 80 pages. J'ai trouvé très, très poétique aussi la plume de Gaëlle Josse. Elle est très élégante. Franchement, je me suis régalée. C'était un petit moment de bonheur. Voilà, 90 pages de douceur. Je regrette pas du tout. Et c'est sûr que je lirai autre chose de Gaëlle Josse. Je sais pas encore quoi, parce que je connais pas vraiment sa bibliographie. Mais vraiment, je me suis régalée, c'était une très bonne surprise. Donc, elle a écrit des recueils de poésie aussi. Alors, en roman, Nos vies désaccordées ou Les heures silencieuses. Peut-être Nos vies désaccordées. Il faudrait que je me renseigne sur ça. Mais il y a aussi Noces de neige, Le dernier gardien d'Ellis Island, L'ombre de nos nuits. Tous parus aux éditions J'ai lu. Et son dernier roman, Une longue impatience. En plus, les titres sont très élégants. Hein. Les heures silencieuses, une longue impatience. Bref, voilà. Donc ça, c'était mes deux petites lectures. Et j'ai commencé hier, donc, le fameux King. 22-11-63. Donc, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Hein. J'ai lu 100 pages, en fait, sur les 1040. J'ai lu 100 pages parce que j'avais des invités hier. C'était un peu la course. Donc, j'ai pas beaucoup pu l'avancer. Mais cette semaine, c'est ma mission. J'aimerais tellement le finir d'ici dimanche. Donc, me prendre toute la semaine. On va suivre. Donc, ça parle de, bien sûr, de l'assassinat de JFK. Donc, Kennedy. On va suivre Jack. On est en 2011. On va suivre. Oui, 2011. Je crois que c'est ça au tout début. Ouais, on va suivre Jack. Jack, c'est un professeur de langue, un professeur d'anglais, dans un lycée, je pense, ou une université, parce qu'il dit qu'il a pour élève des adultes. Et bon, il a une vie pas trop palpitante. Sa nana l'a quitté, enfin sa femme, pardon, l'a quitté. Il s'ennuie un peu, voilà. Il a des élèves pas très intéressants, qui ont un peu de lacunes, du coup. Enfin, il a une vie un peu plan-plan. Mais il a l'air de s'en contenter et il a un de ses collègues qui tient un petit café, ça s'appelle le Fat Burger. Comment il s'appelle son collègue? Al, je crois. Oh. On le dit pas. Bref. Et donc ce collègue qui fait des hamburgers, qui sont pas chers, tout ça, tout ça. Il va l'appeler, il est très malade, c'est arrivé subitement. Jack ne comprend pas trop, mais il l'appelle, il faut absolument qu'il le voie, il faut absolument qu'il lui montre quelque chose, qu'il lui parle, etc. Et là, Jack va découvrir quelque chose de complètement fantastique. Et il va se retrouver en 1958. Il va se retrouver en 1958. Et tout un univers du passé s'offre à lui. J'ai pas attaché mes volets. Tout un univers du passé s'offre à lui. Et finalement, en 1958, il peut encore se passer plein de choses. Et on peut-être bousculer les choses. Et Jack va être dans une espèce de mission pour potentiellement arrêter l'assassin. Enfin, arrêter... intervenir dans l'assassinat de JFK. Donc voilà. Alors je vous spoil rien, j'ai lu 100 pages, hein, donc sur 1000, c'est pas un spoil. Donc voilà, c'est sa mission et il essaye de comprendre le pourquoi du comment, techniquement, scientifiquement, cette histoire de passé, de présent et autres. C'est la seule chose fantastique du livre apparemment. Mais c'est super super intéressant. Il y a bien sûr toute une partie historique que je ne connais très 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 peu ou très mal, que je ne connais pas vraiment. Donc je suis contente de le découvrir et franchement la plume et la trade sont super agréables. C'est mon deuxième Stephen King puisque j'ai lu avant ça L'Institut, que j'avais beaucoup aimé, qui est aussi très soft, hein. On n'est pas dans l'horrifique. Voilà, moi je commence par les non-horrifiques. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de mal encore avec l'horrifique, l'horreur, le gore,
voilà, le thriller très très sanglant. Voilà, moi c'est pas trop mon truc. Donc je fais soft et Florence, donc Flo & Books m'a vraiment vraiment conseillé celui-ci. Donc je l'avais mis dans ma pile à lire pour le lire cet été il y a déjà plusieurs mois. Et là, la semaine dernière, j'ai regardé un vieux vlog de Amélie et elle l'a lu, elle l'avait adoré aussi. C'était son livre favori de l'année 2019 ou de l'année 2020, je sais plus exactement. Mais du coup, ça m'a vraiment donné encore plus envie. Donc voilà, c'est ma lecture de la semaine prochaine. Donc je pense que le prochain carnet de bord sera un petit peu ennuyant parce que je vais lire que ça, j'imagine. À moins que je sois super rapide, mais vu que je travaille, ça va être un peu compliqué. Et je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Mais en tout cas, ça s'annonce très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans cette petite vidéo. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux et de me soutenir dans tous ces carnets de bord. Enfin, je suis toujours hyper émue, hyper ravie de lire vos commentaires et de voir que vous me soutenez, de vos partages sur Instagram. Ça me fait toujours super plaisir. J'espère que je prends le temps de répondre à tout le monde, mais j'espère que je n'oublie personne. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me relancer parfois parce que je reçois beaucoup de messages aussi. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez eu des envies de lecture et que potentiellement vous avez une wishlist qui s'est agrandie. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais pas tant que ça. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Si vous avez la chance d'être en vacances, moi je ne suis toujours pas en vacances, ça va arriver en septembre, bientôt bientôt. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans mon prochain carnet de bord et je vous dis ciao.